Hello tout le monde, c'est Italo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'épisode 27 de notre SP sur The Legend of Zelda Twilight Princess. Les amis, très content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre SP chevaleresque dans les terres du crépuscule. Et oui les amis, on est passé de l'autre côté du miroir des ombres, de l'autre côté de la lumière, c'est-à-dire le côté obscur de la force. Et aujourd'hui les amis, on va commencer par récupérer deux coffres qu'on avait oubliés dans l'épisode précédent. Et donc on va voir un peu comment on les récupère et... surtout, on a obtenu un upgrade de l'épée. On a maintenant non plus l'épée de légende, mais l'épée de lumière. Regardez-moi ça, comme elle brille de sa lueur purificatrice, on va appeler ça, dans l'état de crépuscule. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment magnifique. Et normalement, on peut dissiper les ténèbres. Il y avait ça avant? Non. Très bien. Petit fragment de cœur, écoutez, on commence avec un petit fragment de cœur, ça fait plaisir. Et bah du coup j'imagine qu'il y a pareil de l'autre côté. Alors, c'est pas qu'on l'a en main que tout va se dissiper, hein. Clairement pas, faut brandir l'épée, donc donner des petits coups d'épée dans le vide, quand même pour avoir l'effet escompté, et au final c'était très simple de récupérer notre deux petits derniers coffres, tranquillement. Donc on est à 1000 rubis, on peut pas avoir plus. Du coup, je vous rappelle qu'on peut pas remonter de manière normale, du coup va falloir activer les orbes, je ne sais comment. Ouais, c'est une blague. Bro, allez. On va essayer de monter sur la plateforme là-bas. Ça n'a pas de bon sens, ce qui se passe actuellement n'a pas de bon sens, le jeu est un peu perdu. Ok, donc normalement, peut-être que... ok, donc il fallait juste que je les tape et voilà, parfait, bon, très bien. On va réussir à sortir. Donc on a eu les deux derniers coffres qui nous manquaient, et on va pouvoir donc rentrer dans le château du crépuscule, dans la tour principale, là où il y a Xanto, les amis. Du coup on va pouvoir lui défoncer la gueule, I guess. Genre ça va être cool, ça va être super cool, trop bien. Ah, il y a encore la porte de la chambre qui est ouverte, genre comment vous stressez encore plus, c'est génial, j'adore. Je surkiffe. Donc... alors hop, déjà on va prendre ça. Et on va se diriger vers la grande tour là-bas et on va pouvoir cette fois-ci y accéder étant donné qu'on va pouvoir couper le... la cascade, le courant de... d'ombre, de cristaux d'ombre. Ah, en plus c'est magnifique, petit monstre. J'adore les cris des gens du crépuscule, genre ils parlent très très bien, incroyable. Bon, allez, ok. Stylé, très très stylé, j'adore. Oh putain, ce petit power up avec l'épée, moi j'aime bien. On se fait clairement plaisir. Ok, vous êtes prêts? Dernière étape avant de pouvoir défaire Xanto de ses droits et de ses pouvoirs. Oh, ça va être trop bien, trop trop bien. J'ai trop hâte. Ah, je suis quand même un petit fou là, je vous dis. Alors. Allons bon, ok, donc déjà on commence avec un magnifique nuage de fumée. Le jeu est un peu perdu sur ça. Voilà, je... je comprends pas. Ok, donc on a deux boules. On a deux boules. Très bien. ouais. Comment j'ai fait ça? Est-ce qu'on pourrait m'expliquer comment j'ai fait un magnifique lancer? Attendez, 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 ça revient. Voilà, je... moi je tiens à dire qu'au bout d'un moment, il y en a qui ont du talent, il y en a d'autres qui en ont pas. Mais voilà. Par contre, genre quand t'es un méchant de jeu, genre t'évites de laisser traîner les trucs pour venir à toi en fait. Parce que vraiment, il y avait les deux boules mises en évidence. Enfin, je suis désolé, mais... enfin, les deux astres. Je vais arrêter de dire des boules parce que... c'est très... c'est très coquin, voyons. Donc, alors, on va essayer d'aller là-bas. Parce que là-bas, il y a un coffre. Je pense qu'on peut l'avoir à passer à ça. Et là-bas, ok. Bonsoir! Ça c'est juste pour la place. Waouh! Ah du coup on est one shot maintenant. Incroyable, incroyable. Comme on a le pouvoir de la lumière, le pouvoir de la... des déesses pour sauver le crépuscule.
ça va être d'une facilité de 40. Oh putain. J'arrive pas à exécuter l'attaque tourbillon rapide. Ça n'a pas de bon sens. Chut. Voilà, tais-toi maintenant. C'est bon, on t'a fini. Ah, nous casser les couilles. Et parfait, ok. Donc le coffre à part est bien après avoir tué toutes les têtes de Xanto. I guess, ce genre. Le mec quand même un peu narcissique sur les bords. Hein. De vouloir avoir sa tête un peu partout. Tampon. Pas du tout. Je ne vous cache pas ma déception, étant donné qu'on a que la moitié des tampons actuellement. Au jour d'aujourd'hui, je déteste les gens qui disent cette expression. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons que seulement la moitié, qui n'est pas les moindres, bien évidemment, des tampons du jeu. Il faudra un peu se bouger les fesses pour retrouver tout ça. Hein. Parfait. Ok, donc, on est vraiment sur une base de donjon. Hein. C'est tout le palais du crépuscule est un donjon à part entière. On l'a bien vu la dernière fois avec la carte, la boussole. Mais est-ce qu'on aura le droit à une clé du boss? Je ne sais pas. Ça me semblerait un peu bizarre. Oh, on est dans les dehors. Bonsoir! Chut, tais-toi. Ça suffit. Hein. Ça suffit les conneries, là. Ok, donc, juste derrière, il y a un coffre. Je récupère. Il est censé avoir un coffre. Ah, allez. Across the wall! Oh, c'est une barre. C'est si on. Alors le jeu considère que si on voit pas l'ennemi, il n'est pas là. C'est une manière de voir les choses. Chut. Je galère de ouf avec mes flèches, on est d'accord. Oh, c'est one shot pas. On va tuer tous les oiseaux. Je pense que c'est comme ça qu'on a le coffre. Ça dégage. Eh, encore, j'attends. Eh, les piafs, on vient. Hop, ça dégage. Ensuite, là-bas, il y a quelque chose. Bam, ça dégage. Eh, là, viens m'attaquer. Eh, hop, ça dégage. Vas-y, encore une. C'est ça que tu veux? Ça, ça dégage. Bon, allez. Y en a où? Oh, trompette man. Hop, hop. Hop, toi, ta gueule, là, dégage, c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre, mais dégagez, putain. Y'a combien d'oiseaux? S'il te plaît, arrête de m'emmener la plateforme, c'est gentil. C'est bon? Non, c'est pas bon, il en reste un? J'entends un. Comment ça soit juste la musique du crépuscule en elle-même? Enfin, du palais du crépuscule. Bon! Je m'attendais à mieux. Je vous avoue. À l'air. Ah, ça se trouve, ça va nous. Where are we going? Surtout que, ouais, c'est la petite clé qu'il y a dans le coffre, du coup, on est obligé d'avoir. À moins que. Je comprends mieux. Je situe mieux le problème. Shit! C'est bon? Oh putain. Un peu de chiant les enfants. Hein. C'est pas possible. Hein. Putain, les mecs ils m'envoient des Heidoken en veux-tu en boulant? Allez, viens là. Viens là, ça fait pas. Viens là! Je t'ai dit! Oh Dimitri. Oh, tu vas manger mon petit pote. Comme ta mère. C'est bon. Hop, ça y est. Voilà. C'est bon. Tout le monde est content. Hein. Hop. Oh là, quel plaisir des one shots. C'est bon, tout le monde est content? C'était pas le coffre que j'attendais. Hein. Faut que je le dise. Et le coffre de derrière, du coup? Je peux me le mettre dans les fesses ou comment ça se passe? Oh putain, il le cogne. Oh le cogne! Il y avait en fait de quoi monter. Ah si. Il disait Jason, s'il te plaît, genre ouvre tes yeux.
On va à l'autre bout du monde comme ça ou comment ça se passe? C'est bon, hop, voilà, et là. Ah oui, le coffre restant n'était pas l'un des moindres. Je... J'ai vraiment fait ce qui s'est passé, que j'ai fait, qu'il a fait, qu'il a fui, nous avons vu. Mais d'accord, ok, oui, fallait absolument que je trouve ce coffre. Je crois que ça allait être un petit secret et tout, tout sympa. Mais non, pas du tout. Et là, c'est la petite clé du coup. Voilà. Ok, bah... Nickel. J'imagine. Donc là, putain, on arrive à tout résoudre tranquille. Tranquille, oui. Genre, le palais du crépuscule, on le one-shot. Donc ce qui prouve bien qu'on est véritablement dans un donjon. Et qu'on va atteindre le boss d'ici très peu de temps. Bonsoir. Comment allez-vous? Allez, petit pote. Waouh! Parfois, je pense qu'il y en a qui croient que j'exagère mes réactions, mais pas du tout. Il y a des trucs genre qui me surprennent vraiment. Je comprends pas trop ce qui se passe actuellement. Hein. J'analyse, je regarde, je me dis, c'est plus la merde. J'imagine que pour le moment on prend le bon chemin. Puis le combat, quand j'allais dire ça, genre ça s'arrête en plein milieu, je suis en mode, peut-être pas le bon chemin. Et c'est bon ça. Genre, il s'est pas visé, ça me bat. J'ai envie de mourir parfois. Je parie qu'il y avait un truc pour le grappin. C'est ça qu'on est en train de me dire. Bah non, même pas. Ah, il y avait peut-être une autre plateforme en fait. Attendez. Tant que ça monte au cerveau. J'ai l'impression que je... Genre, c'est au pixel près. Voilà, tu vois, genre... Je peux m'en transformer en humain, mais si je suis trop à côté, ça me gêne pas. C'est à ce moment-là où je me dis, est-ce que le jeu est bien fait ou non? On peut avoir des doutes. Certains diront oui, d'autres diront non. Moi, je dis actuellement, j'aime bien. Moi, je... Ok. Je me suis dit, voilà, on n'a pas exploré tous les chemins, du coup c'est bon. Non, non, en fait, on avait les bons chemins depuis le départ. J'aurais dit, ok, bon, ouais, on va remonter tranquillement. En fait, j'avais bien choisi depuis le départ. Bonsoir. Comment t'es-vous? Je vais bien, merci. Ok, j'ai pas confiance au truc là-bas quand même. Hein. Genre, il arrête pas de nous envoyer des petites boules depuis tout à l'heure. Mon garçon, tu es extrêmement chiant. Hippolyte, arrête s'il te plaît. Possible. Hop, ça gâche. Non. On va pouvoir aller là. Mais il y avait un coffre. C'était sûr. C'était sûr en fait. C'était sûr, c'était obligé. Bon, on remonte. Eh mais attendez, regardez. On peut trop gruger le système en fait. C'est insane. Si au lieu de se faire chier à aller là-bas puis de revenir, on peut juste gruger comme ça. Waouh! Je ne m'y attendais point. Je vous avoue que ma stupeur est grande actuellement. Ok, donc ça, The Little Key again. Ok, bon, mais parfait. Moi qui croyais que ça allait être long, mais au final, je vous ai montré un petit passage secret. C'est parfait. Je suis content. Content de moi. Pour le coup. Je ne peux pas faire un saut aussi grand, mon petit pote. Va falloir faire des efforts aussi de ton côté. Oh là là, on s'approche du boss. Ce genre de petite salle pas trop sympa qu'on va voir.
Ah, et après, il y a le boss. Oh là là. Dernière salle. Dernière salle du donjon. Putain. Oh, tu te chutes. C'est quoi ça encore? T'imagines, genre, si là, tu loupes la... Oups, désolé. Si tu te loupes la... Comment ça s'appelle? La clé du donjon? Pardon? Genre, les gars, déconnez pas non plus. Putain, mais y'en a combien, elle est comme ça, là? Waouh! Y'en a beaucoup, des comme ça. Mais là, on est en train de tuer des habitants du crépuscule, hein. Je sais pas si vous en rendez compte. Enfin, après, c'est ce que vous voulez, mais bon... T'es bon? Je te demandais qu'il est mort? On va défoncer la gueule de Xanto. C'est moi qui vous le dis. Alors là, pas de pitié pour les croissants. Clairement, on va lui arracher la gueule. Mais d'une force, il a fait souffrir Midona. Il a fait souffrir les habitants du crépuscule. Il a fait souffrir le monde de la lumière. Mon gars, il va prendre tarif. Je vous le dis. C'est là, on a zéro pitié pour ce genre d'énergumène, d'individu exécrable. Voilà, quelle belle salle du trône. Xanto. J'espère que tu apprécies l'ironie. Nous ne serions jamais arrivés jusqu'ici sans la malédiction que tu as lancée sur Link. Nous avons subi ce joug si longtemps. Notre peuple, passé maître dans l'art de la magie, s'est retrouvé prisonnier dans ce monde, tel de vulgaires insectes dans une cage. Enveloppés par les ombres de notre fiel, et notre colère se sont tues, et nous sommes devenus un peuple déchu, sans désir ni courage. Tout cela par la faute d'une famille royale inepte, trop lâche pour ne faire autre chose que se résigner à ses crépuscules. J'ai souffert en silence trop longtemps, au service de cette dynastie décadente. J'ai enduré tout cela pour une seule raison. Je croyais vraiment qu'un jour, hériter du pouvoir et régner sur notre peuple. Mais ce qui m'était dû me fut refusé, et cette magie, prérogative du seigneur de notre peuple, resta hors de ma portée. Alors que j'étais noyé sous les vagues du désespoir et de la haine, un dieu m'est apparu. Je fais tien mon pouvoir. Je fais mien tes désirs. Dieu n'attendait de moi qu'une chose, que je serve ses desseins. Plongé dans les ténèbres, à la fois l'ombre et la lumière. Xanto, usurpateur,
Donc on voit qu'il a été influencé par quelqu'un d'autre. Et mais c'est moi ou c'est le premier donjon ça? The fuck. Ah c'est ça, c'est bien le premier donjon hein. Ok, bon. Il a l'air un peu malade quand même ce mec hein. On va pas se cacher, on va pas se mentir. On va le faire venir à nous comme ça. Et donc il a été influencé par quelqu'un d'autre qui ressemblait étrangement à Ganondorf. Ok, donc deuxième ok, deuxième donjon. Va falloir faire quelque chose, va falloir faire quelque chose, je cherche mes bottes. Je suis en train de chercher mes bottes. Et hop. Non, c'est pas ça. Comment on fait déjà? Ok, faut juste ne pas tomber et venir le défoncer. Allez là mon petit pote. C'est trop bien, on retrace un peu les premiers donjons. C'est insane. Hop, allez viens, viens par là mon petit pote et prends-toi ça dans la gueule. Vas-y, hop. Ok, bon pour le moment c'est pas trop compliqué. Ça nous demande pas beaucoup de ressources. Ok. Là on va juste rester immobile. Oula oulala oulala, calme-toi mon bon. Hop 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 et hop ça dégage. Ok bon. Troisième phase. Ça, il est pas dur à battre hein. Pour l'instant c'est bon, si c'est juste les souvenirs de, des différents donjons. Ah c'est marrant, je. Ah j'étais en mode. C'est marrant quand même. Je n'ai pas de barre de vie, de respiration. Comment cela se fait-il? Oh shit boya. Mais du coup vous voyez que au final, il n'a pas plongé le monde de la lumière dans. Comment ça s'appelle? Dans le crépuscule, dans l'ombre. Mais bien au contraire, il a plongé dans. The fuck? Dans les ténèbres en fait, littéralement. Mais comment ça va? Mais arrête! Mais c'est pas possible! Que se passe-t-il? Ah putain, quel con! Oui, bien vu! Bien vu, va falloir que je le chope. Eh, viens par là, mon petit pote! Ça, faut pas déconner non plus. Hop là, une fois. C'est juste ça. Il va où? Il est parti où? Oh Kono. Il est où mon petit pote? Il est là. Là-bas. Putain. Allez ménage Link. Oh le con. Il va se trouver ailleurs j'imagine. Là-bas. Là-bas. Je pense qu'on est à portée là. On teste. Yes, on a réussi. Allez. Allez mon petit pote, ça dégage. Mais c'est quelqu'un d'assez excentrique hein, je trouve Xanto dans l'idée. What? What? Mais c'est le mini boss du temple de la forêt ça. Temple sylvestre. Salaud. Salaud. Prends-toi ça une fois. Prends-toi ça deux fois. Parfait. Il se plante dans la tête dans le sol, j'adore. Il y a le pic de sa tête qui se plante dans le sol. Il est génial. En vrai, il a l'air ultra malfaisant comme ça, mais il est vraiment trop drôle à faire ce boss, je trouve. Ok, bon, ben là. Comme notre cher. Truc machin bidule. Il est incroyable. Il est vraiment trop drôle. Ça me fume. Genre, c'est comme battre Koga, le grand Iga de. Dans Breath of the Wild, ça me fume, mais un point. Hop là. Il est beaucoup trop drôle. Viens par là, viens par là, mon petit pote.
Ok. Bon, je pense qu'on va, clairement retracer tous les donjons. Hein. C'est obligé. On est où, là? Quoi? On est devant le palais d'Hyrule? Oh, putain, ok. Donc là, on est sur une vraie deuxième phase. Aïe! Ok. Oh, putain! Oh, putain! Il fait la toupie! Il fait la toupie! Ah, putain! Quel enfoiré! Je me dis, ouais, il y a la tête qui tourne, obligé. C'était obligé. Il est excellent. Ah, j'adore. Les petits bruits qui vont avec. En fait, c'est juste quelqu'un qui était en quête de pouvoir, mais il a aucun charisme, il a rien au final. C'est juste une personne pas contente du pouvoir. C'est comme si un gilet jaune aujourd'hui prenait le pouvoir. Prenait le. Ah, devenez président de la République, genre. C'est the same shit là pour le coup. Hop hop hop. Yop. Allez, plus qu'une fois. Aïe. Et on aura terrassé l'usurpateur. On aura rendu sa place à Midonna. S'il te plaît, calme-toi mon petit pote. What the f... Ok, donc il mêle Toupie et Sashimi. Très bien. Aïe. Heureusement qu'on a de la vie hein, parce que. En vrai, il est très très. Aïe. Pas dur, tu vois, mais. Assez Ok. Donc là c'est la dernière fois qu'on va pouvoir le taper. Il est assez imprévisible. Allez, dégage. Tu ne comprends donc pas? Si tu ne peux pas être roi, Xanto, c'est à cause de ce qu'on peut lire dans tes yeux. Cette soif de pouvoir tapis dans ton regard provoqua autrefois la perte de notre peuple. Nous n'avons pas oublié, Xanto. Midonna, sainte princesse des ombres, sache que la malédiction qui pèse sur toi ne peut être levée. De même que celle qui étreint notre peuple, le pouvoir de mon dieu en est la source, toute suzeraine que tu es, ta magie est perdue à jamais. Mon dieu est déjà revenu à la vie, et foule à nouveau le sol de ce monde en toute impunité. En tant que le seigneur Ganondorf existera, il veillera à ce que je renaisse de mes cendres. Je ne voulais pas ce pouvoir. Et ce n'était qu'une fraction de la magie de nos ancêtres. Link, nous en avons fini ici. Maintenant, nous devons sauver Zelda. Je n'ai pas pu reprendre la magie de la famille royale, mais il me reste celle de mes ancêtres. Avec cela, je peux lui rendre ce pouvoir vital qu'elle a sacrifié pour moi. Vite, allons-y. La princesse Zelda nous attend. Wow, eh bien c'est bien la première fois que le personnage principal meurt dans Zelda. Soit les méchants sont scellés, soit tout simplement ils partent ailleurs, mais de là à ce qu'ils soient tués. C'est la première fois qu'on voit ça dans les Zelda. Pour vous dire que ce jeu est un peu plus mature que les précédents opus quand même. C'est sûr que tu veux sortir tout de suite? Tu as fait tout ce que tu voulais faire? Ouais. Ouais, ouais, on a tout fait. Il faut savoir qu'actuellement, je me tape une migraine de la mort. En fait, j'ai commencé à avoir les symptômes pendant le boss. Et du coup, genre,
J'ai trop mal à la tête là actuellement. Mais est-ce qu'on vous souvient? Non, c'est bon, ça ira. Ok. Du coup, on a récupéré nos pièces. Les pièces de. Des ombres. Donc. Ganondorf a utilisé Xanto pour se réincarner dans le monde de la lumière. Maintenant, on sait d'où vient la barrière qui enferme le château d'Hyrule. Ganondorf doit être dans le château. Zelda est en danger. Retournons dans le monde de la lumière. Il faut rejoindre le château au plus vite. Alors, Zelda est morte. Hein, first of all. Et puis, ok, non, maintenant, le méchant principal, c'est bel et bien Ganondorf. C'est ce qui avait été explicité par, par les sages. Et quoi d'autre, les amis? On a le pouvoir des ancêtres de Midona. Donc, on a le pouvoir donc de fracturer la... La barrière magique mise autour du château. Ah, il fait nuit. C'est bien. C'est bien ça. C'est bien, 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 bien. Pardon, excuse-moi. Du coup... C'est pas mal. On est pas mal. Franchement, tout se passe parfaitement bien. Et donc, les amis, il ne reste plus qu'un truc à faire. Aller au château d'Hyrule et défaire Ganondorf. Néanmoins, avant... Vous vous en doutez, on va faire pas mal d'annexes. Pas mal d'annexes, pas mal d'annexes. Du coup, je pense que les 4-5 prochains épisodes seront consacrés uniquement à l'annexe du jeu. Mais ne vous inquiétez pas, ça sera tout aussi divertissant. Vous allez peut-être apprendre des choses. Et parfait, donc déjà, l'insecte que je voulais, il est là. Vous allez apprendre des choses et surtout... Surtout... Putain de merde, reste là, mon petit pote, merci. Vous avez attrapé un éphémère, parfait. Quoi? Je suis rattrapé à l'infini, c'est vraiment débarras. Comment ça? Alors déjà, regardez, on a vraiment toutes les pièces d'armure des ombres ensemble, en fait. Genre, réassemblées. Et alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans le... pour avoir le 100%, déjà, on a ça. Donc 2, 4, 6, 8. Il nous manque 8 insectes. Ah ouais, j'avais déjà les éphémères, intéressant. Il nous manque 29 âmes de spectre, 25 tampons, la bourse géante et la bourse de l'infini, ainsi qu'une armure. Les quarts de cœur, mais bon, ça, on les compte pas. Donc, est-ce qu'il nous manque beaucoup de choses? Oui. Est-ce qu'ils vont être faciles à avoir? Oui aussi. Ah là, il n'y a pas de... Il n'y a pas photo, ça va être très facile, mais déjà, regardez. Déjà, on va commencer par ça. On va faire un petit truc d'annexe, là. Vous savez quoi? Bon, pour finir l'épisode en beauté, on va tout simplement faire... avoir un quart de cœur. Il me semble que c'est un fragment de cœur supplémentaire. Donc, je pense, prochain épisode, on va se consacrer... On va se consacrer uniquement sur les fragments de cœur. L'épisode suivant, on va se consacrer uniquement sur les âmes de spectre. L'épisode encore d'après, uniquement sur les insectes et tampons. On fera les deux en même temps. Et il en restera deux autres épisodes annexes à faire. À savoir... Oh, ça faisait longtemps. J'adore faire ça, moi. Et à savoir, en fait, la caverne dans la délit et la caverne des ombres. Donc ça, on verra, ça même pas. Je crois que j'avais déjà... On l'avait déjà fait, la course conclue, il me semble. Je sais pas, j'ai aucun souvenir, parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas... Ça fait 7 mois, quand même, que j'ai tourné cet épisode, donc... 7-8 mois. Mais c'est pas grave. On revoit faire du sort, c'est cool. Et du coup, on va débriefer un peu sur cet épisode qui fut fort en émotion, et surtout en rebondissement. Mais très content d'avoir défait, quand même, Xanto, même s'il est mort à la fin. Écoutez, ça arrive, hein, c'est un méchant, et puis merde, hein. Voilà. Mais très très content surtout d'avoir réussi à faire recouvrer les pouvoirs des ancêtres à Midona. De Midona à Midona. Oh! Pas mal, pas mal, pas mal. Franchement, bon cut pour se faire des rubis. Et après, on connaît déjà ce que. Ok, très bien. J'ai pas réussi à voir le dernier parce que je croyais que je m'étais fail en fait de base. Mais non, pas du tout. Bon, on lui met une avance de malade au Yeti. Putain, le pauvre. Le pauvre. Hop là. Wouhou! Ok. Bon. Bon, et bien voilà.
C'était juste un peu pour le fun. Ok, bien, bon, bah les amis, on va pouvoir cesser là, ça aura fait un bon petit épisode où on a fini... Ouais, ça, donc on avait déjà tout. On va finir avec monsieur et madame Yeti, donc j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu qui fait plaisir, à partager la vidéo et à la commenter, et puis les amis, on se dit à la prochaine, dans un prochain épisode, dans une prochaine aventure, dans un prochain épisode, dans une prochaine vidéo, bref, vous connaissez la chanson, ciao tout le monde, c'était Italo, bye bye.